Hello! Et bienvenue au Barbie Challenge, épisode 3. Donc, notre fantôme, je crois qu'elle s'appelle Sat, elle va aller à San Michino, au parc, parce qu'il y a genre une genre de maison où tu peux après s'occuper d'elle, prendre une douche et tout, parce que là, la maison Barbie constitue seulement d'un mur lila. Mur lila! Prenons un moment pour remercier Stéphanie qui, avec beaucoup de brio, a réussi à complètement oublier comment dire le mot mur. Prairie de Michuno. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses dans cette sorte de bâtiment et littéralement n'importe qui pourrait juste pas avoir de maison et vivre ici. Et Sat va manger des biscuits au fromage. Pour ensuite prendre un bain, parce que, ça veut pas dire qu'elle pue pas, même si c'est un fantôme. Donc, Barbie est revenue de l'école et on retourne à San Michino, parce qu'on s'est trouvé un peu une maison de remplacement. Mais il faudra quand même bientôt commencer à refaire de l'argent, parce qu'on est à exactement zéro Simflouz, et ça, c'est vraiment pas bon. Arc, c'est quoi qu'elle fait ce bruit-là? Oh. Est-ce que c'est Barbie qui mange cette pièce? Le festival France de l'humour. Est-ce que ça rapporte de l'argent? Non. Est-ce qu'on y va? Non. Fais dodo, petite Barbie. On veut-tu gagner des Simflouz? Pour te faire une maison. Et c'est notre challenge. Pour cette belle prestation, on peut applaudir Alice, Alice et Alice! Bonne fille, elle fait ses devoirs. Donc maintenant, on va inviter plein d'adultes ici parce que Barbie a besoin des amitiés adultes pour son aspiration. Alors, Sat, on va la faire s'entraîner à la guitare, peut-être qu'elle pourra faire de l'argent un jour. Et tout le monde dort, sérieusement là? Quel genre de personne bizarre dorme à 2h du matin? Remercions Alice de ce bruit très attirant de taureau qu'elle nous a fait. Bon, donc personne n'est venu, on est obligé de parler avec Sat. Je l'ai eu bien cette fois, Alice. Bam! Alors tout le monde, on va regarder un peu partout dans le parc pour trouver un adulte ou un enfant avec qui Barbie pourrait être sociable et devenir son amie. Donc, on voit pas beaucoup de gens à Sami Chinouchino. Ah, attendez, on a trouvé un raton laveur là-bas. Et voilà, on va aller lui parler et... Non, il s'en va pas dormir, là. Dream on, Barbie is coming for ya. Pour la troisième fois dans l'épisode 3... Nous allons remercier Alice d'avoir manqué le nom de la ville San Michino. San Michino. Oh non, tu me niaises, elle doit aller à l'école. Ou on pourrait juste prendre un congé. Donc, on a vu une autre personne qui passait et on va aller lui parler avec Barbie. On attend qu'elle sorte de la toilette. Bon, on dirait qu'elle va jamais sortir des toilettes ou qu'elle s'est téléportée, whatever. On va juste inviter les contacts de Barbie ici. Et là, on a un gros problème. On est à zéro Simflouz et si vous voyez, Barbie et Sat sont dans le orange, à dire mal à l'aise. Et là, c'est comme, on doit faire de l'argent, on doit y faire ses aspirations. C'est difficile! Ça va aller, Stéphanie, ça va aller. J'espère juste que Barbie va pas s'évanouir en chemin. Oh, Barbie! Donc, on va vendre les objets que Sat a récoltés. Alors, comme vous pouvez voir, les bords de Barbie, à part pour divertissement, sont toutes redevenues vertes.
Alors, elle va aller pêcher. Point de la racle des jumeaux. Alors, on va les deux poissons que Sat a attrapés et après, on fait de la construction. Malheureusement pour nous, comme à l'habitude, on a seulement pu mettre deux murs de plus. Bon, c'est là-dessus qu'on se quitte pour aujourd'hui. Abonnez-vous. Mettez un thumbs up si vous avez aimé. Et vous pouvez toujours mettre des commentaires, ça fait super plaisir. Bye!